Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour me mettre sur mon 31. Et oui, c'est un Get Reduce Mur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Get Reduce Mur. En même temps, on n'avait pas de raison de faire de Get Reduce Mur puisqu'on ne peut plus sortir le soir. Mais enfin là, il est très tôt le matin. Trop tôt le matin pour moi en tout cas. Et donc, je vais me préparer avant d'aller chez ma maman. Je vous fais la totale. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de Get Reduce Mur que là, waouh, j'ai envie de faire la totale. Et je vais commencer par une lotion que je vais découvrir avec vous, parce que il faut que je l'ouvre aujourd'hui, ça tombe bien. C'est la Abeille Royale de Guerlain. Donc c'est une lotion fortifiante à la gelée royale. Donc j'ai fini ma lotion Aquarosa de chez Sanoflore, qui est donc une lotion un peu gélifiée à appliquer du bout des doigts. Et donc une charmante Sephorette m'a offert cette lotion. Et donc eh bien j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est parti. Oui, parce que j'ai pas mis mes soins du visage non plus, donc eh bien, écoutez... Appliquons les petits soins du visage, c'est pour ça que je suis en peignoir d'ailleurs. Je vais d'abord mettre mes soins du visage, et pendant que mes soins du visage posent, eh bien, je vais tout simplement m'habiller. Voilà le joli flacon. Je ne sais pas s'il faut l'agiter, mais dans le doute, je fais quelques va-et-vient comme ça. Je vais en mettre un petit peu dans le creux de ma main. Ah oui, elle est un peu gélifiée aussi celle-ci. Hein. Voilà. Hop. Et oh, un petit coup de lotion sur le visage, ça fait du bien. Ah, ça sent bon en plus. Surtout que là, j'avais vraiment rien mis sur mon visage, donc j'avais la peau qui tiraillait, c'était une catastrophe. Alors, elle est un peu plus liquide que la lotion Sanoflore, mais elle n'est pas entièrement liquide non plus. On voit qu'il n'y a pas que de l'eau dans cette lotion. En tout cas, elle est agréable et elle glisse bien sur le visage, donc ça, c'est cool. Je la referme et donc je vais mettre mon sérum. Alors, sérum, c'est le Dr Pierrico Hydraride. J'en mets deux pompes. Est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, je vais enlever ma bague parce que sinon ça me griffe le visage. Donc, je chauffe un petit peu le sérum et je presse ça sur l'ensemble de mon visage et de mon cou. Il faut hydrater également le cou. Moi, j'oublie pas le contour de la bouche parce que j'ai des zones sèches au niveau des commissures et des sillons nasogéniens. Et voilà, le sérum est appliqué et ça sert à rien de triturer son visage pendant des heures. On va passer au contour des yeux. Alors, c'est le Ola et Henriksen Truth Banana Bright Eye Cream. J'ai une petite suggestion avec ce soin. Au début, il était très épais, et là, j'ai l'impression que, vous voyez, il fond un petit peu, il se liquéfie, alors que pourtant, chez moi, il fait très froid. Hein. Donc, c'est pas une question de température. Je sais pas pourquoi il devient plus crémeux. Est-ce qu'il y avait une pellicule en surface qui était plus épaisse, et que maintenant, eh bien, j'attaque le cœur de la meule, comme on dit? Je sais pas. Mais, en tout cas, cette crème-là, elle est bien, hein, quand même. Ça, je le précise. Et effectivement... J'avais un petit peu peur parce qu'elle était jaune, donc je me suis dit, ça va faire une correction avec la colorimétrie, mais est-ce que ça va également eh bien, agir en profondeur? Ça agit en profondeur. Voilà. Petite crème contour des yeux. Et ensuite, eh bien, je vais mettre donc ma crème de jour. C'est une crème qui fait jour et nuit d'ailleurs, qui est très grosse, ça a un énorme pot. Je ne sais pas si je vais m'en sortir un jour de ce pot-là. Mais en tout cas, eh bien, elle me convient bien cette crème-là. Elle est assez riche, c'est comme un beurre, vous voyez. Et pourtant, ma peau aime bien en ce moment. Donc c'est parti, j'en prends une bonne quantité. Vous voyez, je creuse dans le pot. Hop, j'applique ça sur mon visage, tout doucement. Voilà, j'ai pris un peu beaucoup quand même, là, ça c'est l'euphorie de la vidéo. Et c'est parti, je lisse sur mon visage. Alors bien sûr, ne reproduisez pas mes mouvements. Hein. Normalement, il faut bien aller du bas vers le haut. Mais moi j'ai la flemme, donc je fais comme à mon habitude. Voilà, et puis le baume à lèvres, on va pas oublier le baume à lèvres. Hein. Donc pour le baume à lèvres, eh bien c'est toujours le même également, c'est le Naturalia aux fruits qui ne se vend plus mais qui est génial et qui est dur à ouvrir quand on a les mains grasses. Tac, un petit coup
de tissu et c'est parti. Donc moi j'en prends un petit peu du bout des doigts et je masse un petit peu mes lèvres. Oui, je trouve que c'est plus efficace quand on masse quand même. Il faut pas juste appliquer ça en surface, alors du coup j'en mets également légèrement sur le contour de la bouche. Et voilà, comme ça vous avez eu un petit rappel de mes soins du jour et une petite mise à jour également de mes soins du jour, puisque je vous le rappelle, j'essaye depuis aujourd'hui la lotion à Belle Royale, qui est une lotion fortifiante à la gelée royale de chez Guerlain. Bon, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu que ces soins pénètrent, parce qu'en plus c'est une crème assez riche que j'ai utilisée aujourd'hui. Également, je vais mettre du déodorant, choisir un parfum, je vais m'habiller et je vous retrouve pour le maquillage. Et après on passera à la coiffure aussi. Bien, me voilà donc habillée et je vais mettre mon parfum. Je vais mettre Sa Majesté la Rose de Serge Lutens. Finalement, de tous ceux que j'ai reçus là récemment, c'est mon préféré, hein. Sans surprise. C'est le plus classique, le moins moderne, et pourtant c'est celui que je préfère. Alors, on a un grand projet aujourd'hui, puisqu'on va tester deux produits, notamment donc la Naked Reloaded, qui est la nouvelle version de la Naked avec tous les neutres. Donc on va faire un petit maquillage très classique, rien d'extraordinaire avec cette palette-là, mais au moins on va voir la pigmentation, voir s'il y a des paillettes, pas de paillettes, bref, comment se comportent les fards sur mon visage. Et également, on va tester la crème de camouflage, si elle est de la bonne couleur. Oui, je vous fais une fausse joie, mais enfin, si vraiment elle est orange fluo, je ne pourrais pas la porter, on est d'accord. Hein. Mais avant toute chose, je vais mettre une petite base. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme base pour le teint? Une base classique, la Master Prime, qui est une base anti-rougeur, mais enfin bon, hein, elle n'est pas très pigmentée pour une base anti-rougeur. Bref, j'en prends un petit peu et c'est parti. Sinon, vous avez vu mon visage, comment il est beau. Ça, c'est le peeling. Hein. D'ailleurs, c'était un peeling qui n'était même pas un peeling, mais enfin bref, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était que ce produit, parce que c'est dans la catégorie sérum, mais on nous dit de le laisser poser quelques minutes. Laisser agir quelques minutes, ça veut dire quoi laisser agir quelques minutes? Ça sous-entend qu'il faut le rincer après, non? Parce que sinon tu ne le laisses pas agir quelques minutes, tu le laisses agir tout le temps. J'ai pas compris ce produit-là, mais en tout cas il a fait un joli résultat sur mon visage. Donc ben, ma foi, c'est bon à signaler parce que vous voyez le résultat du peeling? J'ai une peau vachement plus lisse, on le verra encore plus une fois que j'aurai appliqué le fond de teint parce que là la rugosité on a du mal à la voir à la caméra, mais par contre quand on applique du fond de teint, on voit une différence. Hop! Bon, c'est que la base. Il faut que j'apprenne aussi à moins frotter mon visage, hein, ça c'est sûr. Alors, cette crème de camouflage de chez Ideal Derm, Face Camouflage, qu'est-ce que ça donne? Quelle couleur ai-je? J'en sais rien. Oula! Première utilisation, pressée 10 fois vers le creux de la main. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui va sortir du tube. Mon Dieu, il y a un mode d'emploi et tout à ce truc-là. Étaler sur la peau avec le bout des doigts en tapotant rapidement, puis estomper les contours. Pour un résultat parfait, fixé avec la poudre Finishing Powder Color Derm. Mais je suis pas au courant qu'il y ait une poudre fixante Color Derm. Je l'ai même pas vue sur le site. Elle va peut-être arriver après. Laissez sécher pendant 2 à 5 minutes pour retirer... Pour le retirer, utilisez la crème démaquillante Color Derm Removing Cream. Oui, c'est ça, il paraît que c'est dur à enlever, ça, en plus. C'est du camouflage, c'est pas du fond de teint. Bon, déjà, je vais voir la couleur. On va voir. Bon, je vais quand même pulvériser dans le creux de ma main, au cas où ça éclabousse, voilà. Effectivement, ça éclabousse un petit peu. Et par contre, j'ai la couleur la plus claire. Limite, elle sera trop claire. Donc j'en prends un petit peu et c'est parti. Oh là, oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Oui. C'est clair, mais... Ça s'estompe bien. Hein. Oh, c'est surprenant, ça. Ah, par contre, ça sèche. Ah oui, il faut le travailler rapidement. Hein. Travailler rapidement, sinon ça sèche. Et après, à mon avis, ça bouge plus. Bon. Là, j'en ai mis un petit peu. J'ai déjà des poils collés sur mon visage, tout va bien. J'en ai mis un petit peu,
Ça fait une belle peau, mais c'est pas super couvrant. En même temps, je me demande s'il faudrait pas l'agiter un petit peu parce que j'ai eu du liquide qui est sorti du flacon. Donc les pigments sont peut-être pas bien mélangés. En tout cas, je vais en reprendre. Voilà, là c'est vachement mieux au niveau de la texture. C'est vrai que ça éclabousse un petit peu, hein, au niveau du flacon pompe. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits points là. Faites attention à vos vêtements si vous utilisez ça. Donc là, c'est parti, j'en rajoute. Alors du coup, comme ça sèche très rapidement et qu'après, visiblement, c'est très difficile à enlever, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir en mettre deux couches pour avoir plus de couvrance? Ça, c'est une très bonne question. Bon, ça fait une belle peau, c'est un peu clair pour moi, mais on mettra une poudre dessus et ça va passer, ça, hein, parce qu'en même temps, je suis très clair. C'est juste que c'est même... Je dirais pas que c'est très clair, je dirais que c'est plus rosé que ma teinte habituelle, que ma carnation. Donc comme c'est plus rosé, ben, ça fait un peu gris. Ça, on arrive facilement à le corriger avec de la poudre, hein, le côté trop rosé. Bon, effectivement, je comprends pourquoi on nous dit d'appliquer ça au doigt, parce que ça sèche tellement rapidement qu'il faut vraiment aller vite pour l'appliquer. Maintenant, j'adore le résultat. Alors, c'est pas, bizarrement, c'est pas super couvrant, mais alors ça transforme la peau. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu comme les produits, finalement, Herborian. Les bébés crème CC crème. En un peu plus couvrant. Voyez ? Ça transforme l'apparence de la peau. Et on obtient une peau hyper veloutée, hyper jolie. Bon. Je vais continuer l'application dans mon cou, hein, quand même. On va en mettre dans son cou. Mon Dieu, j'en fais tomber. Non, je vais pas déjà faire des tâches quand même sur mes vêtements, hein. Voilà, quand on l'applique rapidement, ce produit, en fait, ça va vachement bien. Il faut pas avoir peur à faire des gros mouvements assez amples. Et alors, au niveau du nez, du coup, est-ce que ça tient? Ça, bah oui, hein. Comme c'est limite waterproof, ça adhère bien à mon nez, hein. Bon, faudra que j'essaye de l'appliquer au doigt pour voir ce que ça donne, un peu comme des bébés crèmes et CC crèmes. Au doigt, ça fonctionne mieux, hein. Mais là, pour le moment, je suis satisfait. Je fais attention que ce soit bien appliqué parce que... On nous le dit, hein, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Donc si vous avez une trace, à mon avis, elle reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein. Mais ça fait un fini naturel et c'est ça qui est surprenant. Alors, je vais vérifier que j'en ai pas mis un petit peu partout, là. Parce que je sais pas, j'ai vu une éclaboussure. Visiblement, elle est tombée ailleurs que sur mon pantalon. Non, mais surtout que... Si c'est waterproof, hein, ça doit pas être facile à détacher. Alors, on va mettre de l'anticerne quand même, hein, parce qu'on nous parle pas d'anticerne. Mais moi, j'ai envie d'en mettre, bien sûr. Qu'est-ce que je vais mettre comme anticerne? Bah, le photofocus, il devrait aller au niveau de la couleur, parce que si je prends un anticerne trop foncé, ça n'ira pas. Voilà. Donc c'est le photofocus en light ivory, il me semble. Ivoire clair, c'est bien ça. Ok. Et là, je vais prendre un autre pinceau pour estomper mon anticerne, et on va voir si ça fait partir la base de teint que j'ai mis. Qui est plutôt un fond de teint d'ailleurs, enfin une crème de camouflage, ou si ça ne part pas. Non, ça va. Ça aurait été dommage, hein, que l'anticerne fasse partir la crème de camouflage alors qu'on nous dit que c'est waterproof. Mais enfin, là, elle n'a pas encore séché, hein, parce qu'on nous dit d'attendre quelques minutes que ça sèche. Donc, à mon avis, c'est quelques minutes que ça sèche avant d'aller dans l'eau ou avant de se... s'habiller, parce que c'est un produit normalement waterproof. C'est sûr qu'il faudrait pas courir dans l'eau de la piscine tout de suite après avoir mis ça. Si c'est pas sec, à mon avis, ça tient pas. C'est bizarre parce que j'ai l'impression, hein, vraiment que mon anticerne là, ivoire clair, est exactement de la même couleur que cette crème de camouflage. Et les deux se sont fondus, mais alors avec une facilité, c'est surprenant. Bon. Passons à la poudre Loose Powder de Max & More, parce que je sais que celle-là va corriger un petit peu mon teint qui est trop, un petit peu trop pâle. Remarquez à la caméra, ça fait bien, hein. Et vous voyez, ouais, c'est un petit peu trop
un petit peu trop rosé tout ça en fait. C'est là que je me rends compte que j'ai vraiment la peau qui est jaune et non pas rose. Parce que vous voyez, quand je mets un fond de teint rose et que je mets mon bras à côté, vous voyez la différence. Hein. Mais donc du coup, je mets un petit peu de poudre, Max & More. Et vous voyez, ça corrige, ça matifie. Bon, même si le résultat finalement de la crème de camouflage est super mat, bien ça matifie encore. Et surtout, ça corrige la couleur un petit peu. Alors, est-ce que la crème de camouflage va s'oxyder? C'est une très bonne question. Parce que si cette crème de camouflage s'oxyde, alors il faudrait que je mette moins de poudre. Parce qu'elle est un petit peu jaune, cette poudre-là, vous avez bien remarqué. Si ça ne s'oxyde pas, il faut que j'en mette un peu plus pour corriger la couleur. Ah, dilemme, hein. Ok. Je pense que là, c'est sec parce qu'en fait, mon pinceau glisse tout seul. Il n'y a plus rien qui accroche. C'est surprenant comme texture, j'ai jamais vu un fond de teint en tout cas de cette texture-là. Donc je vous le dis, la crème de camouflage, c'est différent. C'est ça, on peut pas appeler ça un fond de teint, non. C'est une autre texture encore. Bien, bien, bien. Est-ce que j'ai de la poudre sur mon t-shirt? Parce que ça, c'est ma spécialité, hein, vous le savez. Je mets de la poudre sur mon t-shirt, après je reste toute la vidéo avec de la poudre. Bon, en tout cas, on va mettre une bonne base à paupières. Parce que on a des fards à tester. Bon, en même temps, les fards Urban Decay sont bons, mais il faudrait pas mettre une mauvaise base à paupières et dire après que c'est à cause de la palette. Ah, je l'ai retrouvé. La Milani Eyeshadow Primer. Oui, on prend la meilleure hein, que j'ai chez moi. C'est pas forcément la meilleure. Hein. Elle est aussi bien que la Sephora, mais la Sephora, elle est pailletée. Et pour voir si les fards sont bien, il vaut mieux pas mettre une base pailletée. Sinon, on se rendrait pas compte du résultat du fard tel qu'il est. Brut de décoffrage. Donc c'est parti, j'applique la petite base à paupières. Alors je tiens à dire que la base à paupières s'applique super bien sur la crème de camouflage. Oui, parce que j'avais mis de la crème de camouflage également sur mon contour d'œil. Et j'ai l'impression qu'effectivement plus rien ne va bouger. Je sais pas, je touche à mon visage, c'est sec en fait, c'est figé. Oh, on aurait le bonheur d'avoir un produit qui tient, qui tient, qui tient, qui tient. Enfin, je vous tiendrai au courant. Moi, je vais le voir au niveau des ailes du nez, hein, parce que je porte des lunettes, et il y a du frottement à cet endroit-là. Donc, si ça bouge pas au niveau des ailes du nez avec le frottement des lunettes, c'est que c'est vraiment tenue extrême. Bien, la base à paupières est appliquée. Alors, on va faire un maquillage super simple, hein, je vous l'ai dit. Là, on découvre la Naked Reloaded. Petit fard bucked, comme ceci. Qui a un fard un petit peu de transition, pinceau estompeur comme cela, propre bien entendu, et donc c'est parti, je prends un petit peu de ce fard et j'applique ça en creux de paupière et c'est super pigmenté, comme d'habitude c'est Urban Decay, ça ne fait pas de chute, tout va bien, il est même tellement pigmenté que finalement j'ai l'impression qu'il est plus foncé que prévu, donc à mettre avec parcimonie et bien estompé. Hein. Puisque là, c'est maquillage de jour. Hein. Ah, vous attendez pas à voir un maquillage comme d'habitude. Nous sommes trop tôt le matin, c'est maquillage de jour. Donc ça restera tout en transparence et en subtilité. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Bien, donc, je vais prendre un petit pinceau crayon. Un ELF serait le bienvenu, comme ça. Et je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Il n'y en a pas. Bah, si, il y a Distilled. Il y a Endgame qui est mat, mais il va être trop foncé. Je vais prendre ça. Pour intensifier légèrement au niveau du creux, mais vraiment de l'intérieur du creux. Pour avoir un joli dégradé. Vous voyez? Et donc là également, j'en prends très peu. Le but étant juste d'intensifier, mais comme c'est très pigmenté, il ne faut pas non plus que ça devienne trop foncé. Hein. Vous voyez, on voit la différence. C'est plus joli, mais c'est à peine perceptible. Je reprends Distilled et j'en mets en creux ici, vraiment dans le creux. Et maintenant, je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai mis Bucked. Et je réestompe pour avoir un joli fondu entre les deux couleurs. Parce que là, vous voyez, le dégradé veut moins bien se faire de ce côté-là. Donc, eh bien, on estompe. Hein. Voilà ce que ça donne pour le moment. Au niveau du coin externe, là, je rectifierai peut-être après, parce que là, vous voyez, ça descend un peu trop, mais on verra ça plus tard. Je vais prendre un pinceau plat.
comme celui-ci que je viens de laver. Et je vais prendre une couleur assez lumineuse. Alors habituellement je mets du doré avec ce genre de palette, mais là le Barely Baked il a l'air très clair, donc je vais plutôt me rabattre sur cette couleur là qui est Burn. Alors il y a Réputation ou Burn? Non, celle-ci, hein, la plus foncée, c'est Burn. Je vais prendre Burn et je vais mettre ça au coin externe. Au pire, on va mettre Burn au coin externe et Réputation au coin interne. Ouais, on va faire ça parce que... Vous voyez, j'ai bien fait, hein, de mettre ça uniquement au coin externe. On voit que c'est assez foncé, le Burn. Il est très pigmenté, d'ailleurs. En 2 secondes, il est appliqué. Ouais, méfiez-vous de Burn. Bon, moi, ça, c'est pas gênant, hein, parce que je l'ai bien mis au coin externe et tout, mais on a l'impression, comme ça, dans le pan, qu'il n'est pas si foncé que ça, et en vrai, il est assez foncé. Je vais tout de suite restomper, vous voyez, au bord du burn, parce que je l'ai remonté assez haut, ce truc. J'étais surpris par la pigmentation, donc autant estomper tout de suite avant que les pigments soient bien fixés. Voilà, et puis toujours, hein, le troisième pinceau pour estomper... en remontant encore plus haut, comme ça. Voilà, maintenant c'est joli une fois qu'on a tout estompé. C'est la magie de l'estompage. Hein. Regardez-moi ça. Oh, ouh. Limite, c'est encore plus beau dans la caméra qu'en vrai, pour une fois. Ça doit être mes nouveaux éclairages, ça. Premier tuto que je filme avec mes nouveaux éclairages. Premier maquillage, il me semble. Je crois, je ne sais plus. Voilà, donc du coup, on va quand même bien... faire ça de façon symétrique, hein, parce que là c'est pas du tout symétrique. Et ouais, c'est le burn, il faut qu'il remonte un petit peu plus de ce côté là voilà, et on va restomper. Impeccable. Je vais même reprendre un tout petit peu de Bucked, le marron là du début, pour faire une transition. Voilà. Ah oui, c'est plus joli, c'est plus symétrique surtout. Une fois de plus, le coin externe, on va voir après ce qu'on fait avec. Au pire, un coup d'anti-cerne et ça sera bon. Donc, coin interne, réputation du coup. Réputation, nouveau pinceau, petit pinceau, plat. Réputation, il a l'air un peu plus pailleté d'ailleurs. Du coup, un peu plus poudreux. Et je mets ça au coin interne comme ça. Enfin, c'est pas vraiment le coin interne, c'est la partie intérieure de ma paupière mobile. Comme ça, ouais, ça fait un petit effet lumineux, ça c'est joli, réputation également. Ah, les fards urbains indiqués sont toujours beaux. Hein. Donc, c'est parti pour ce côté-là. Et donc, oui, parce que le maquillage des yeux est déjà presque fini. Pour finir ce look, je pense que je vais mettre une couleur en ras de cils inférieur quand même, mais ça va être une couleur que j'ai pas encore utilisée. Donc attention. Attention, attention, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le fameux hand game, mais il est foncé le hand game. Ah. Mais justement, du foncé en red cils, c'est joli. Allez, je prends un petit pinceau plat comme ça, assez dense, comme ça, ça va me faire comme un petit crayon en fait. Ça va. Les poils ne vont pas en tout cas s'écraser quand je vais appliquer le fard, et donc je vais tracer un trait sur mon ras de cils inférieur. Avec le hand game que je vais estomper après. J'adore. Calmons-nous au niveau du ras de cils inférieur, faisons pas un ras de cils trop épais. Alors je vais prendre quel pinceau pour estomper. Ben, le pinceau estompeur, hein, classique. Et c'est parti, je vais estomper un petit peu ça parce que comme c'est très pigmenté, si on le laisse brut comme ça, ça va pas être joli. On a l'impression qu'on a mis un trait de crayon et qu'on l'a mal mis en fait. Donc vaut mieux estomper ça. Et voyez, ça rejoint le coin externe de façon élégante, donc je pense qu'au coin externe, il n'y aura rien à faire. Le fait d'avoir mis en fait un trait au ras de cils, ça finit le maquillage. Vous voyez, quand je l'estompe, j'étire pour un petit peu ramener de la matière foncée au coin externe et ça finit vraiment ce maquillage, c'est très joli. J'aime bien les fards urbains indiqués parce que quand vous avez fait des bêtises, parce que clairement la mes ras de cils était un peu trop épais, etc.
Ben vous estompez et la matière s'efface un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fards, on n'arrive pas à les estomper. Il y a des fards, clairement, vous pouvez frotter tant que vous voulez, ça s'étale, ça ne s'estompe pas. Les fards Urban Decay s'estompent. C'est ça qui est cool. Et donc du coup, oui, j'en ai remis une deuxième couche parce que j'ai beaucoup estompé, donc je veux voir ce que ça donne avec une deuxième couche. Ouais, c'est plus joli avec une deuxième couche parce que là, j'ai un petit peu été fort sur l'estompage, donc... J'en mets un petit peu. En fait, c'est même pas tant que j'ai trop estompé, mais j'avais pas bien appliqué vraiment dans mon ras de cils entre les cils. Et donc, vous voyez des petits trous blancs. C'était pas joli. Bon, ce côté-là, il est vraiment merveilleux. L'autre côté, le coin externe, ça va pas. Donc, je vais juste rectifier ça ici. Il faut effectivement qu'au coin externe, ça parte un petit peu plus en hauteur, comme ça, je pense. Voilà. Il faut un petit peu plus étirer ce maquillage. Voilà qui est mieux. Alors, on va reprendre un autre pinceau estompeur et je vais prendre le bribe pour nettoyer les bords de ce maquillage parce que c'est une couleur qui est très proche, oula, très pigmentée, très proche de la couleur de ma peau, mais très pigmentée, bah oui, et assez poudreuse. Faut faire attention hein, quand on l'utilise bribe. Faut pas en prendre beaucoup, hein, mes amis. Ne faites pas comme moi. Bah dis donc, pour une couleur claire comme ça, c'est très pigmenté, cette chose. Ouais, moi j'aurais plus espéré un petit... Ouais non, ça s'estompe facilement, mais ouais, faut faire attention, c'est très pigmenté, ça. C'est peut-être mon pinceau qui est trop dense aussi, mais... Ouais. Bon, correction du coin externe quand même, hein. J'ai dit oui, je vais le faire, je vais pas le faire, je vais le faire, je vais pas le faire. Je pense que ce sera plus beau si je corrige un petit peu avec de l'anti-cerne comme ça. Pour pas que le maquillage descende trop parce que j'ai les yeux tombants, les paupières tombantes, tout qui se casse la figure là-dedans. Voilà, et puis bon, ça ira parce qu'une fois qu'on aura maquillé les sourcils et qu'on aura mis du mascara, le coin externe paraîtra plus joli. Hein, c'est un petit maquillage de jour, on va pas y passer la journée non plus. Hein, parce que sinon, tu te lèves, tu te maquilles, hop. T'as fini de te maquiller, il est l'heure d'être couché si tu passes la journée. Mascara pour commencer, parce que là sans mascara, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux coquards autour de l'œil. Donc le mascara, c'est le Max & More High Definition. J'en ai ressorti plusieurs de mascara. Et il s'avère qu'il y en avait plein qui étaient complètement secs dans mes armoires. Ils ont séché dans l'armoire sans être ouverts. Bref. Du coup, ben, je me suis dit, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Je sais que c'est pas mon préféré. Je sais que j'en ai d'autres qui ont l'air mieux en attente. Mais je me suis dit, si je l'utilise pas maintenant, il va être périmé, il va sécher, puis on pourra plus s'en servir. Et voilà, ça aurait été du gaspillage. Donc, écoutez, j'ai ressorti celui-là. Je sais pas s'ils ont encore chez Action, mais en attendant, je vais l'appliquer. Et on se retrouve pour les sourcils après, hein, parce que là, il y en a pour un petit moment, comme il ne donne pas un volume de dingue, il faut que j'emmène plein de couches. Bref, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne avec une couche de mascara. Je vais mettre les autres couches hors antenne, et je vous retrouve pour les sourcils. A tout de suite. Bien, j'ai des sourcils complètement gris. Je pense que c'est à cause de la crème de camouflage, donc je vais quand même les brosser pour une fois avant de les maquiller. Même si je pense que c'est peine perdue, parce qu'on voit clairement que ça n'enlève rien. Hein. Je pense qu'on va s'amuser pour démaquiller la crème de camouflage. Ils m'ont donné un tube de démaquillant chez Ideal Derm. Je pense qu'ils ont eu raison. Hein. On faudra voir, peut-être avec une huile démaquillante, on arrivera à démaquiller ça facilement. Mais comment te dire, je le vois dès que je frotte mon visage. Habituellement, ça fait un trou où on voit quand même que la matière bouge. Là, c'est comme si j'avais une pellicule de plastique sur le visage. Chose qui me plaît beaucoup, moi. J'ai pas dit que c'était moche, parce que c'est très joli, et ça tient bien. Et du coup, ben, ça fait un teint de dingue. Mais alors, comment on va enlever ça ce soir? C'est un autre problème. De toute façon, au soir, je suis en live. Donc, je me maquille très tôt le matin, et au soir, je suis en live. Donc, on verra déjà si le maquillage a tenu. Hein, vous verrez ça pendant mon live. Bref, sourcils. Alors, toujours le petit boîtier, là. Hein, je vais pas me prendre la tête. Alors, quoique...
La dernière fois, j'avais réutilisé un crayon et c'était joli. Alors, boîtier ou crayon? Bon, de toute façon, c'est le crayon qui est venu le premier, alors... Allez, hop, ça sera crayon. Ouais, non, crayon. Allez. Crayon, et c'était... Alors, celui que j'ai utilisé qui allait bien, c'était le Medium Brown de chez Sienne. Ça se vend chez Lidl, donc. Oui, voilà, celui-là est pile poil de la bonne couleur en ce moment. Donc, hop, ce que j'avais fait, c'est que j'en avais mis un tout petit peu et j'avais brossé. Vous voyez, alors je maquille pas trop mes sourcils. Maquillage de jour. En plus, peut-être que j'intensifierai ce maquillage ce soir avant mon live. Donc là, je vais faire léger. Et oui, je voulais mettre au coin interne un petit peu de couleur claire au niveau de la palette. J'en ai pas mis et je trouve que ça manque. J'ai l'impression que ça fait comme une ombre à cet endroit-là. Donc je vais éclairer mon regard. Mais là, j'ai déjà fini mes sourcils. Voilà, donc là, on avance un tout petit peu, mais je pense que c'est suffisant. Voilà, je pense que pour les sourcils, le maquillage de jour, c'est suffisant. Donc, je reprends la Naked Reloaded. Parce qu'il y a un fard qui me faisait de l'œil, c'est le Angel Fire, ici, qui a l'air très clair, mais alors en plus, comme ils sont très pigmentés, je me dis que ça pourrait être pas mal, en plus c'est pailleté, ça pourrait être pas mal au coin interne ici pour donner un petit peu de lumière. Donc c'est ce que je fais, j'en prends un tout petit peu, je l'applique. J'en reprends un tout petit peu, je l'applique pour donner une petite touche de lumière, pour effacer les cernes parce que, ben, mine de rien, hein, avec l'âge qui avance, on commence à voir une petite tache bleutée à cet endroit-là, hein, sur mon regard. Bon, puis là en fait j'ai dormi que 5 heures, mais on va assurer la journée quand même. Ouais, et c'est vachement plus joli avec ça. Je pense que ça sera encore plus joli de ce côté-là parce que là j'ai une cerne. Un cerne d'ailleurs. Oh lolo. Il est trop tôt le matin, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un cerne qui est plus prononcé de ce côté-là. Donc ça se verra encore plus l'effet bonne mine obtenu grâce à ce petit côté lumineux là. Voilà. J'adore. Alors. On a bientôt fini, mais on n'a pas fini. On va mettre un petit rouge à lèvres, vraiment basique. D'ailleurs, il y en a un que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Il est là. J'ai galéré à le retrouver. Mais c'est un Crushed Foil de chez L'Oréal Paris. Et c'est la couleur 7 bronze. Et alors, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Et je suis retombé amoureux de cette couleur. En fait, c'est une couleur bronze, mais un peu rose. Je dirais pas que c'est marron. Mais c'est un peu dans l'esprit d'un rouge à lèvres marron sans être marron, avec un léger reflet rose. Bref, j'adore. Ben voilà, c'est bien appliqué. C'est bien, on avance vite. Blush, alors, je pense que je ne vais pas mettre d'enlumineur. Parce que maquillage de jour, et aussi parce que je risque d'en mettre ce soir. Alors si je mets de l'enlumineur au matin, au soir, parce que je ne vais pas me démaquiller et me remaquiller pour ce soir. Donc je vais prendre un blush mat. Le Bis. Bis Blusher Rose Quartz. D'ailleurs, Bis, il faudrait que je les recontacte. Ils m'ont envoyé un mail, j'ai pas répondu. Ils veulent m'envoyer du maquillage. Je vais pas refuser quand même. Donc, un petit peu de blush comme ça, léger. Hein. On a dit que c'était un maquillage de jour. Tu te calmes sur la quantité de blush. Il y en a besoin par contre. Avec cette crème de camouflage, elle a tellement aplati mon visage, tellement corrigé mon visage que j'ai besoin de blush. D'ailleurs, je me demande si un petit coup de bronzer, ça aurait pas été une bonne idée sur ce maquillage. Ah ouais, mais en fait, j'ai peur de frotter parce qu'habituellement, le fond de teint, il part quand je frotte trop. Mais là, on peut y aller pour estomper le blush. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ce côté-là, c'est pas symétrique. Hein. Il y a plus de blush d'un côté que de l'autre, donc je vais en remettre de l'autre côté, et à la fin j'aurai 3 tonnes de blush, donc on va se calmer. Et par contre, on va mettre une petite poudre de finition quand même. Alors là, il ne faut pas se louper sur la poudre de finition, parce que si je mets la poudre Infinite, déjà au soir, c'est pas sûr que j'arrive à me remaquiller au-dessus, parce que vous savez, la poudre Infinite de chez Revolution, là je vous la remontre, celle-ci, hein, elle est géniale, mais une fois qu'on a mis ça, on peut plus rien mettre au-dessus. N'espérez pas mettre un enlumineur ou ça reste mat toute la journée, il n'y a plus rien qui accroche au-dessus. Donc une poudre de finition, mais pas celle-ci. Et si elle pouvait donner un petit effet bronzy, ça serait bien. Je vais mettre la fameuse poudre minérale de chez Bis, qui était une poudre à l'origine, à mon avis, un fond de teint compact, parce que c'est marqué Compact Foundation. Mais maintenant, sur le site, c'est marqué que c'est une poudre un petit peu bronzer, poudre effet bonne mine, vous voyez.
Donc, à voir. Moi, je vais mettre ça comme poudre de finition. Pour bien tout estomper. Et réchauffer un petit peu mon teint. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est joli. Voilà. On aromatifie un petit peu comme ça aussi au niveau du nez. Ah, on n'oublie pas d'en mettre un petit peu dans le cou hein, quand même. Vous voyez, elle est très légère au niveau de la pigmentation, cette poudre-là. C'est vraiment pour donner un petit reflet joli. Mais c'est pas vraiment non plus du bronzer, c'est vraiment une poudre unique. Bref. On va passer à la coiffure. Qu'est-ce qu'on fait dans ses cheveux? Déjà, il faut les brosser, ça c'est sûr. C'est parti pour un petit coup de brosse. Et mes cheveux sont beaux en ce moment, je trouve. C'est parce que Monsieur Botan Herbie m'a acheté un après-shampoing qui marche du feu de Dieu. Je vous en parle bientôt dans mes découvertes, favoris et déceptions, mais regardez-moi ça. Vous avez vu la lumière que j'ai dans les cheveux? Et en plus, ils s'en mêlent moins, en fait. Pourtant, c'est pas un truc qui coûte cher, hein. C'est un truc à 3 francs 6 sous, hein. Mais j'ai même plus besoin en fait de faire des boucles, de commencer à les lisser ou quoi. Je trouve que mes cheveux sont beaux. Tout simplement, ils sont tout simplement beaux. Petit peigne. Voilà. Et je pense qu'on est bon, hein. On va pas... Ouais, on peut donner un petit peu de volume comme ça, mais... on va pas en faire plus. Puisqu'on ne peut plus sortir en soirée, faisons un petit look de jour, comme ça, sympathique. Je vais juste mettre un petit peu de laque, je pense, à cet endroit-là pour fixer mes cheveux, hein, comme je vous avais montré la technique sur ma chaîne Bazar en Herbe. Donc si vous voulez la technique, je ne vais même pas la faire en vidéo là. J'aurais pu aller chercher de la laque, et puis vous faire la technique, et puis vous dire, voyez, en fait... Non, vous allez sur chaîne Bazar en Herbe, la chaîne Bazar en Herbe, c'est une chaîne que je viens d'ouvrir. Et vous avez des astuces dessus. Bon, comme vous l'aurez remarqué, bien sûr... C'est parce que j'ai la flemme, mais j'ai un petit poil qui est collé là depuis tout à l'heure. Et ça m'agace, ces pinceaux qui perdent leur poil. Et voilà pour le look, avec donc la Naked Reloaded et la fameuse crème de camouflage. Bah écoutez, je vous dirai ce que ça vaut tout ça. Hein. On va voir si le maquillage tient. Bon, Urban Decay, c'est sûr, ça tient. Urban Decay, ça tient. Pour la crème de camouflage, je vous tiens au courant. Parce que là, j'avoue que c'est une texture spéciale et il faut que je la réessaye. Parce que là, en plus, je pense que je l'ai mal appliqué. Il faut l'appliquer du bout des doigts hein. Et rapidement. Parce que là, appliquer au pinceau, c'est pas facile. Hein. Voilà pour un nouveau Get Ready With Me. Moi, je vous laisse parce que je suis attendu. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, eh bien, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Quelle sera ma prochaine publication? J'en sais rien. Je suis transparent avec vous. J'en sais rien. Peut-être encore du maquillage, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une palette Tom Ford que j'aurais pu tester aujourd'hui, mais que j'ai pas testé. Ou alors peut-être mes découvertes favoris et déceptions, si j'arrive à retrouver dans ma tête tout ce que j'ai testé récemment et que je trouve de bien ou de pas bien. Parce que oui, j'ai testé des trucs, mais j'ai oublié de les noter au fur et à mesure. C'est tout moi ça. Bref. En tout cas, moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.